Citroën DS5, 2 litres HDI. Rouge ou Volge? Quand une sculpture devient voiture, la première impression lorsque l'on rencontre une Citroën DS5 est assez proche de celle que l'on peut avoir devant une sculpture. Cela restera une affaire de goût si l'on aime ou pas ce que l'on voit. Toujours est-il que les designers de Citroën ont créé. Partout, l'œuvre du designer et la recherche de la personnalité est présente. Ici, des lignes nerveuses entourent, cernent les optiques. Là, des formes de carrosserie ou lignes hachées aident à l'aérodynamique ou ne servent qu'à la recherche de la forme. Le toit séparé en plusieurs segments, les portes sans serrure, tout cela fait une DS5. C'est-à-dire une voiture à forte personnalité, caractère destiné à un partenaire au désir en harmonie. Pour le reste, qualifier une DS5 est difficile. Si certains y voient un crossover, d'autres y verront un break et pour finir, d'autres encore y verront une limousine aux lignes uniques. Toujours est-il que la finesse est dans le détail et que la DS5 en fournit. Quel que soit le côté duquel on la regarde, l'image est unique. Latéralement, la ligne frappe par une ligne de ceinture assez haute et des vitrages relativement petits. Il contraste avec les pare-brises avant, toit et lunettes arrière. L'arrière, quant à lui, est imposant. Il rappelle un peu les voitures de l'avant-guerre avec sa petite lunette ainsi que ce report de ceinture de carrosserie haute. Bref, un bouquet de détails. Motorisation. La DS5 est disponible en deux motorisations essence de type THP, 255 et de 200 chevaux. Deux versions diesel de 1,6 litre HDI, 110 chevaux et 2 litres HDI de 160 chevaux, ainsi que d'une version hybride baptisée Airstream de 200 chevaux. Notre modèle de test, une version 2 litres HDI de 160 chevaux, boîte automatique, bénéficie de la finition sport chic, la finition la plus évoluée de la gamme. Elle est disponible à partir de 52 260 francs, prix sans les éventuelles primes évidemment. Notre essai. Avec la Citroën DS5, nous rentrons dans la catégorie des limousines premium. Avec 4,50 m de long, la DS5 est à mi-chemin entre une Audi A3 et une Audi A5 si l'on considère que l'on parle ici d'une limousine ou d'un break. Elle est large de 1,87 m, ce qui n'en fait plus une petite fourmi pour se glisser dans les places de parking étroites. Une autre chose frappe également, c'est la qualité de finition. Le groupe PSA a trouvé le chemin de la limousine à l'allemande. À l'extérieur, construction soignée, à l'intérieur, ambiance feutrée, claquement de portes sourds, siégerie et assemblage de qualité. Avec plus d'une tonne et demie, la Citroën DS5 a besoin d'une motorisation dynamique. La motorisation 2 litres diesel de 160 chevaux et surtout de 340 Nm est relativement bien adaptée. Surprise, surprise, car si la DS5 reprend les trains roulants de la DS4, ce qui lui confère un comportement routier quasi indiscutable, il apporte également avec lui une certaine sécheresse de confort. Jusqu'à présent, Citroën nous avait habitués à un confort soft. La DS5 nous rappelle que parfois les routes ne disposent pas du meilleur revêtement possible. Les sièges ressemblent également de plus en plus à ceux des limousines allemandes par leur qualité, mais aussi par leur fermeté. Surprise également dans l'impression dégagée de confort feutré, voire même avec un peu de fantaisie de cockpit d'avion. Ce principalement renforcé par le découpage plutôt astucieux et innovateur des fenêtres de toit. Partout on remarquera la finition soignée, l'accessibilité tant aux places avant qu'aux places arrière, qui bénéficie d'ailleurs d'énormément de places grâce à un empattement particulièrement important. Si le coffre offre un volume intéressant d'environ 470 litres, le seuil de chargement un peu élevé peut parfois se révéler peu pratique. Bilan global. Dans la version de notre essai, la Citroën DS5 se voit dotée d'équipements complets, depuis l'affichage tête haute jusqu'à l'assistance au stationnement, passant par une caméra de recul, un système de navigation ou des phares Xénon. L'énorme effort réalisé dans le design, la qualité de fabrication, la qualité des matières, ainsi que de l'ensemble mécanique, place indiscutablement la Citroën DS5 dans la catégorie des limousines à forte personnalité dont il faut tenir compte. Jean-Louis Vidal, août 2012, pour Rodin Motors.